ngayon kulo Yesu ilong na izali ozali nyonso ya mutu ya na jali na yango Solanga ikolo Yesu etale lise yo oh nani ayi baina yo omo atika lolenge atali ibananga yatalo yonde mwinda I'm
Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci Papa une fois encore pour la grâce que tu nous as accordée. Toi qui nous as gardés tout au long de la semaine passée. Nous voici encore pour un nouveau numéro. Nous voulons te glorifier encore ce soir. Nous voulons te louer encore Seigneur. Réveille quelqu'un qui dort en ce moment Seigneur spirituellement. Afin que ta main puissante touche quelqu'un ce soir. Et que ce direct, Seigneur, tu prennes absolument la première place, Seigneur, dans tout ce qui va se passer ici. Nous te disons merci, Papa, une fois encore, parce que tu, ta main protectrice, nous gardes jusqu'ici. Nous te bénissons, reçois l'adoration, reçois l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir, les amis. Bonsoir chez vous. Je vous remercie au nom de Jésus. C'est une joie pour moi. Ce soir encore, de partager ce moment merveilleux avec vous. Avant de commencer notre émission de ce soir, je voudrais saluer quelques personnes qui nous encouragent, qui encouragent cette émission. Je voudrais saluer le patriarche Coupe-Médi, Albert, depuis Bonneuil, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais saluer aussi John Monpao, depuis l'Angleterre, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et le pasteur Mbala, Dauphin, depuis le Bénin, que le Seigneur vous bénisse. Il y a des gens qui soutiennent cette émission, les gens qui soutiennent ce qu'on fait ici, cette mission qui glorifie le nom de Dieu. C'est un ministère qui élève le nom de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui m'encouragent, qui prient pour moi, que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment content. Parce que vous êtes derrière moi. Je voudrais saluer aussi le frère Fall depuis l'Angleterre, que le Seigneur te bénisse. Aladi Fall, que le Seigneur te bénisse. Merci pour vos encouragements, que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, la première chanson que je vais vous présenter ce soir, c'est une chanson qui vient de sortir à peine quelques jours. Et je vais souhaiter jouer ici pour que vous goûtiez aussi à cette chanson. Et ce frère, il s'appelle Yaouli, nous on l'appelle Yaouli. Et il, sans vous mentir, il est aussi mon maître de cœur. Parce qu'en 2010, j'étais dans une chorale, la chorale Maranatha Gospel. Que le Seigneur vous bénisse. Je profite de cette occasion pour saluer l'évêque Jean-Claude Moussengo. C'est notre papa, que le Seigneur te bénisse, papa. Que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te donne la force pour tout ce que tu fais. Donc, je voudrais vous parler de ce frère, il s'appelle Yaouli, nous on l'appelle Yaouli, parce que chez nous, on n'appelle pas le nom des aînés, Ya ça veut dire frère Willy. Donc ce monsieur, Dieu lui a donné un talent exceptionnel. Il a sorti, il est en préparation de son album, et cet album, un album qui va glorifier le nom de Dieu, qui va élever notre Dieu, et parmi les chansons qui seront sur cet album, il a sorti juste deux. Il a balancé d'abord. Et j'aurais souhaité qu'on joue ici, que vous allez jouer, que vous allez danser aussi. C'est un frère que j'aime beaucoup. Il m'a appelé Gilbert. Ma chanson va sortir. J'ai deux chansons à lancer. Ça va sortir à partir de 17. On a parlé de long en large. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de le présenter sur cette émission. Et nous allons l'écouter. L'une de ces chansons qui parle de mon abri. Mon abri. La régie, nous allons écouter le frère Willy, qu'on appelle Yaouili dans mon abri. Écoutez-moi ça. Sois dans la joie, écoute cette nouvelle chanson qui glorifie le nom de Dieu. Pour que quelqu'un soit dans la joie ce soir, danser pour la gloire du Seigneur. Je m'habite sur toi, car tu guides mes voies. Tu es mon appui, Seigneur, dans tout mon cœur. Sauve, je sais que tu es à moi. Car tu es mort pour moi.
massivement à vous connaître sur sa chaîne YouTube. Il suffit juste de cliquer WMJ YHA. Vous allez le trouver sur sa chaîne YouTube. Il s'appelle Yahwili. C'est une joie pour nous quand les enfants de Dieu sortent quelque chose pour la gloire du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi il y a certaines personnes, au lieu de partager les choses qui glorifient Dieu, il préfère partager les choses qui ne glorifient pas Dieu, les choses qui n'élèvent pas Dieu. Ça, c'est des œuvres qui glorifient Dieu et nous devons encourager ces œuvres. Le frère Willy, je te dis chapeau, tu as fait un bon boulot.
Et que le Seigneur te bénisse et que tu iras très loin. C'est un frère que j'aime beaucoup. Il est mon maître de cœur quand j'étais dans cette chorale Gospel Maranatha à Noisy-le-Grand. En 2010, on a chanté ensemble. C'est un frère que j'aime beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Nous n'allons pas trop durer ce soir avant d'enchaîner les louanges, avant de danser pour la gloire du Seigneur. Et là, nous allons écouter, lui il s'appelle Joël Joshi, dans ma belle histoire. Alléluia. Écoutez-moi ça pour la gloire du Seigneur. On y va.
Viens danser chez vous. Nous jouons ici pour la gloire du Seigneur. Je vais vous demander de partager si tu es dans la joie. Et tu veux que ton ami aussi ait cette joie. Partage. Ça va faire du bien à quelqu'un. N'oubliez pas de partager ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un sera béni. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement de la semaine dernière. La semaine dernière, nous allons, pour ceux qui n'étaient pas connectés, on parlait sur trois jeunes gens qui s'appelaient, parce que c'était la semaine dernière, on a parlé d'eux. Le premier s'appelle Anania, le deuxième s'appelle Michaël, le troisième s'appelle Azaria et le quatrième s'appelle Daniel. Daniel et ses trois compagnons. On a parlé sur ces trois personnes concernant l'obéissance de Dieu. Parce que ces quatre juifs, jeunes gens, ils ne voulaient pas manger le repas du roi. On a parlé sur ça brièvement. C'est juste un briefing. Je suis en train de vous rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière. Et pour ceux qui n'étaient pas là, aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sens. Exactement de la même personne, les mêmes personnes. Je vais demander à la régie de nous lire le premier passage de ce soir. On y va. Daniel chapitre 3, versets 1 à 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Nous allons lire juste au verset 3 d'abord. Vous avez déjà dépassé le 3? Non, c'est bon. Alléluia. Ici, nous parlons, je vous ai dit la semaine dernière, que ces quatre juifs qui s'appelaient Anania, qui s'appelait Michaël, qui s'appelait aussi Azaria et Belshazzar. Belshazzar, c'est le nom de Daniel. Je vous ai dit la semaine dernière que ces quatre personnes, leur nom a été changé après. Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi ils ont changé leur nom et qu'est-ce qui s'est passé après. On a parlé de la nourriture dans la maison du roi. Daniel a dit, roi, nous ne mangerons pas tes bonnes viandes. Donne-nous juste des légumes et de l'eau. Et ici, je vous dis pourquoi Daniel avait raison de ne pas manger le repas du roi. Parce que le roi Nebuchadnezzar était un idolâtre. Et ce soir, le verset 3 nous explique réellement que le roi était un idolâtre. Ici, qu'est-ce que le roi a fait? Il a fabriqué son dieu. Justement, avant de commencer, j'ai même oublié sur le thème. Le thème, c'est l'adoration. Nous parlons sur l'adoration de Dieu. Et le roi a fait son propre dieu. Il a fait une statue. Il dit, voilà, il a ordonné à une personne de faire la publication que quand ils vont commencer à sonner les trompettes, les tambours, les guitares, tout le monde doit se prosterner devant cette statue, devant son Dieu. Et lorsque, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de vous expliquer, après avoir refusé de manger
la nourriture du roi. Daniel a expliqué le songe, un songe au roi. Le roi était content. Et Daniel a dit, au roi, ce que vous allez faire, je vous demande de nommer mes trois compagnons qui restent comme intendants dans le palais. Et le roi l'a fait. Et quand le roi a fabriqué sa statue, son dieu, et c'était une recommandation, quiconque, lorsqu'ils vont commencer à jouer les trompettes, la musique, les guitares, tout le monde doit se prosterner. Si tu ne le fais pas, on te jette dans le feu ardent. Et du coup, les trois, il y avait trois, ils ont été changés, ils ont changé le nom. Là, ils s'appellent maintenant Daniel qui s'appelait Belshazzar, il s'appelait maintenant Daniel. Alléluia. Et là, Meshach, Shedrach, qui s'appelait Anania, on lui a changé son nom, il s'appelle Shedrach. Anania, il s'appelait, maintenant ils ont changé son nom, il s'appelle Shedrach. Meshach, Michaël, Abednego, qui s'appelait Azaria. Ces trois ont refusé d'adorer le roi, le dieu du roi. Il dit, nous n'allons pas adorer le dieu du roi. Parce que nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu que nous devons lui. Là, il y a deux désobéissances. Daniel avait dit, non, nous ne mangerons pas la nourriture du roi. Et ces trois, Shedrach, Meshach, Abednego, eux aussi disent, le roi, ton Dieu n'est pas au-dessus de notre Dieu. Nous n'allons pas adorer ton Dieu. Nous allons continuer de louer. Parce que le but de cette émission, comme je vous disais l'habitude de dire, c'est de louer Dieu, de glorifier notre Dieu. Nous allons écouter Christivi dans Gualonami. Aide-moi, Seigneur. Christivi du Bénin. L'éternel des armées, toi qui es toujours resté égal à toi-même. Thank you.
Saluer ceux qui sont en direct pour ce moment, le frère Jackie, l'habitué de tous les jours. Que le Seigneur te bénisse, frère Jackie. Je voudrais saluer aussi le frère Yawili, dont je parlais. Voilà, il est en direct aussi. Que le Seigneur te bénisse, Yawili. N'oublie pas de partager ce direct. Aussi, je voudrais saluer le pasteur Meïssé Manedi. Que le Seigneur te bénisse, pasteur. À très bientôt, hein, on va se voir ici sur ce plateau. Je voudrais saluer aussi l'honorable Roufaille. Merci aussi pour le frère Ortalin Kwadonou, Ortabite depuis la Bretagne, que le Saint te bénisse. Donc, nous continuons notre enseignement. Je vais demander à la régie de nous lire le verset 6. Le verset 8 à 13. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendront le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. » Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shédrac, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shédrac, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Alléluia. Dans cette histoire, moi, j'ai souligné quelques passages qui prouvent qu'il y a aussi la jalousie dans cette histoire. Parce que quoi, quand le roi a fabriqué son dieu, sa statue, que tout le monde devait se prosterner devant cette statue, Shédrac, Meshach, Abednego, ils ont dit non. Et il y a quelques personnes qui sont parties voir le roi. Roi, t'as vu ce que tu fais? Peut-être, je ne sais pas si ceux-là aussi, la trésorerie qu'ils ont confiée à ces trois personnes, eux aussi, ils voulaient occuper cette place aussi. Ils ont dit, roi,
T'as vu? Tu cherches les gens intelligents, les gens qui sont mûrs. Tu es parti ramasser les juifs au palais. T'as vu ce qu'ils font? Toi qui as ordonné. La parole du roi, elle est sacrée. D'adorer ton Dieu. Et maintenant, la trompette est en train de sonner. Aussi, les guitares résonnent. Mais peut-être c'est trois personnes que tu as mis au palais. Ces trois personnes ne peuvent pas louer ton Dieu. Tu as vu ce que tu fais voir? Ces trois personnes ne veulent pas louer Dieu. Nous, nous sommes là au lieu de nous choisir. Non, tu nous as laissé, tu as pris les étrangers. C'est normal. Quand tu es autochtone et on nomme un étranger à la tête du pays, ou premier ministre, ou un poste clé, tu te poses la question, qu'est-ce que moi je fais ici? Je suis un autochtone, je suis du pays, je suis le fils du pays. Pourquoi? Pourquoi on ne me place pas à ce poste? Et on donne ses postes à quelqu'un, un étranger. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques-uns sont partis voir le roi. Le roi, ils ont refusé d'adorer ton Dieu. Alors c'est une recommandation qui vient du palais, qui vient de Dieu, qui vient du roi. Le roi était énervé. Le roi était embarrassé. Qu'est-ce que le roi a fait? Dans sa colère, il devient furieux. Il dit, moi le roi, qui donne une recommandation, les gens doivent suivre. Pourquoi? C'est le Dieu que tout le monde doit louer. C'est le Dieu devant qui tout le monde doit se prosterner. Amenez-moi ces trois juifs. Ils ont amené Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Vous ne voulez pas adorer mon Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas adorer mon Dieu? La régie, le verset 16 à 17, à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Mm-hmm. Alléluia. Ils ont eu l'audace, ces trois personnes, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils disent, roi, si c'était toi, si c'était moi, tu vas commencer à trembler devant le roi. Trembler parce que tu es devant le roi. Tu es devant le roi. Tu vas commencer à trembler. Mais il dit, roi, écoute, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Ce que tu viens de dire, nous n'avons rien à te dire, roi. Mais tout ce qu'on sait, le roi des rois, le Dieu, notre Dieu qui est au-dessus de ta statue. Ta statue qui est représentée comme ton Dieu. Ce Dieu va nous sauver de ta main. De tes mains, excusez-moi. On n'adore pas ton Dieu. Ils ont le courage de dire au roi, nous, on n'adore pas ton Dieu. Parce que nous avons un roi qui est au-dessus de tous les rois, le Dieu créateur. Ton Dieu n'est pas le Dieu créateur. Alléluia. Nous allons louer encore. Cette fois, nous allons écouter le frère Romuald Kofi dans Répentez-vous. Répands-toi. Parce que Jésus revient bientôt. On y va, on écoute le frère Romuald Kofi. Alléluia. Nous avons un petit souci au niveau de la famille technique. Alléluia. La voix qui crie dans le désert.
mourir. Alléluia. Tu as raison, frère Romia. Repentez-vous, car Jésus revient bientôt. Je vais demander à la régie de nous lire le verset 24 à 26. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, « Shédrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shédrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Du coup, qu'est-ce que le roi fait? Le roi dit, bon, comme vous avez refusé de louer mon Dieu, je vais demander de chauffer le feu. Au lieu que le feu soit chauffé une fois, parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, le roi a demandé qu'on chauffe le feu sept fois, vous imaginez. Et le roi a demandé qu'on les jette dans le feu. Ces trois personnes, Shédrach, Meshach et Abednego, la Bible déclare, les vaillants soldats qui sont partis les jeter dans ce feu ardent ont été brûlés. Alléluia. Mais Shédrach, Meshach et Abednego, le feu n'a pas eu le pouvoir sur eux. Alléluia. Et le roi était à côté, sur son trône, en train de regarder comment ils seront. D'aller à gauche, à droite, dans le feu, se débattre contre le feu jusqu'à cramer. Mais non! Le roi était là en train de regarder. Au lieu de trois personnes, le roi voit quatre personnes. Quatre personnes au milieu du feu. Le roi était étonné. Et le feu n'a aucun pouvoir sur ces trois personnes. Parce que la quatrième personne, c'est Dieu. Il est venu. Il dit non. Et le feu qui a été chauffé sept fois. Vous savez comment ça se passe ici? Nous avons des chauffages réversibles. Quand il fait chaud, ça devient une climatisation. Et quand il fait froid, ça devient un chauffage. Dieu, il a changé, il est venu, il dit, voilà, je vais changer. Il a changé le feu en climat. Alléluia. Ce feu qui brûlait, ils ont chauffé sept fois. Dieu est venu, il était la quatrième personne. Le roi était effrayé, il dit, c'est quoi? On a jeté trois personnes, pourquoi on voit quatre personnes? Parce que la quatrième personne est venue changer le feu en climat, changer le chauffage en climatisation. Le roi a peur, il a ordonné, il a crié d'abord, « Shédrach, Meshach, Abednego, sortez !» À partir d'aujourd'hui, vous êtes des vrais serviteurs de Dieu. Ton comportement, je vais te dire, ton comportement
C'est ça qui prouve réellement si tu es enfant de Dieu ou pas. Parce que le comportement de Shadrach, Meshach, Abednego devant le roi a prouvé réellement qu'ils sont des vrais serviteurs. Et le roi a ordonné à partir d'aujourd'hui, vous allez servir le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. Pourquoi? Parce que le Dieu est venu au secours de ses enfants. Ils ont jeté 3 personnes. Les 3 personnes sont devenues 4 personnes. Parce que la 4e personne, c'est Dieu. Il ne peut pas laisser, si Dieu laissait Shadrach, Meshach et Abednego brûler dans le feu, ce n'est pas un bon témoignage. Ça ne rend pas gloire à Dieu. Dieu dit non, non. Il a ordonné qu'on chauffe le feu cette fois. Dieu l'a poussé à chauffer. C'est une démonstration en fait. Parce que je suis sûr, ce jour-là, il devrait y avoir beaucoup de personnes. Beaucoup, il devrait y avoir du monde pour voir comment ces 3 personnes, les juifs, qui sont des étrangers chez eux, comment ils vont brûler. Mais Dieu, il dit non, mes enfants ne brûleront pas. Il descend dans le feu. Quand tu es dans une situation bizarre, quand tu es dans une situation qui est un peu compliquée, ne te dis pas que tu es seul. Dieu est avec toi. Dieu va t'enlever de ce feu. Il va transformer ce feu en climatisation. Et c'est ça. Quand tu es dans une voiture, en hiver, il fait froid. Tu dois mettre ton chauffage. Et en été, pour ceux qui ont des voitures, qui ont la clim, tu mets la clim parce qu'il fait chaud. Dieu est venu, il a changé le feu. Il a changé la chaleur en clim. Je suis sûr, d'aller chez Dak, Meshach, Abednego, ils étaient tranquilles. Si on les laissait même là, 10 ans, ils vont rester là, ils seront dans la joie. Mais Dieu est venu changer l'histoire. Nous allons écouter encore le dernier chant. Il s'appelle Master Sénégal. Master Sénégal du Bénin. La régie, nous pouvons écouter Master Sénégal pour la gloire du Seigneur. Alléluia!
Alléluia. L'heure est toujours contre nous. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. C'est une joie pour moi d'être devant vous ce soir, pour la gloire du Seigneur. Et je sais que vous êtes dans la joie aussi. Ne vous inquiétez pas. Je vais demander à la régie de passer juste le passage biblique, le dernier passage biblique de ce soir. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ne vous inquiétez pas, on va se retrouver ici encore le samedi prochain si Dieu le veut. N'oublie pas de partager ce direct et que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. N'oublie pas que Jésus revient bientôt. Jésus t'aime. Jesus love you. See you next week. Goodbye. Be blessed. Thank you.